Salut tout salut et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je suis avec un invité de marque, Dinaz, qui est avec nous ce soir. Dinaz, salut à tous. Donc Dinaz que vous avez sans doute vu dans mes lives GTA 5 ou GTA 5. Donc en fait tout simplement je vous explique un peu, Dinaz il est chez moi parce que voilà c'est le confinement, il peut rentrer chez lui. Donc ça craint un petit peu, donc il est, je l'héberge chez moi pendant, ça fait maintenant deux semaines. Ça fait deux semaines. Ça fait deux semaines, wow, je suis choqué. Le plus loin que je peux rentrer. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais, gros? Ça pue. Vas-y gros, t'es malade. Vas-y, on parle sur GTA. Vas-y, bouge, on fait une vidéo. Donc du coup, aujourd'hui, comme vous le savez, il y a pas mal de news sur GTA 6. Il y a pas mal de... Parce qu'en fait, on est en 2020, quoi. 2020, c'est l'année de GTA. GTA 6, ça va être du sale, hein. Alors, on sait pas si ça va être en 2020, on sait pas encore pour l'instant. Mais tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on va commencer par le premier point qui est tout simplement... Alors, je dirais c'est un point comme... Moi, pour ma part, c'est officiel, tu vois. Mais j'ai un truc à dire aussi. Ouais. Est-ce que tu me laisses? J'ai des gros biceps ou pas? Bah, notez ces biceps dans les commentaires. Parce que tout à l'heure il me saoule avec ça, il me voit ça, du 16, du 16. Donc du coup on se retrouve pour le premier point, let's go. Alors c'est parti pour le premier point. Du coup comme je vous ai dit les gars, aujourd'hui premier point. Il va pas nous séparer la vidéo. Toi t'es... Tu veux qu'on t'enferme dans une salle toi, je pense. En plus c'est le confinement, on va t'enfermer vraiment, hein. Il abuse gros. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il nous ramène son linge? Il me ramène des serviettes. Oh mais toi t'es fou hein. Oh t'es vraiment malade. Alors c'est parti pour le premier point, c'est bon, on a enfermé l'alien. Donc comme je vous ai dit les gars, grosse news. Et comme on le sait, 2020, ça commence à... Enfin, il commence à avoir des infos sur GTA 6 entre... Ça commence à fuiter quoi. Entre Rockstar qui achète, qui demande de l'aide pour les impôts, entre pas mal de choses qui tournent autour de GTA 6. Ouais. Et aujourd'hui, c'est une news qui est apparue il y a quelques jours. Il y a quelques jours maintenant, donc là on est le 26 mars, alors on tourne la vidéo, 27 mars à l'heure où ils voient la vidéo. Et il y a quelques jours, il y a quelque chose qui a changé. Okay. Et moi, je vais dire que cette news, pour ma part, elle est officielle, mais sans lettres. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est bon les gars, je lui ai mis les menottes, là normalement, il devrait nous laisser tranquille. Alors comme je vous ai dit les gars, c'est une information officielle sans lettres. Alors pourquoi? Alors comme on le sait, tous les sites de jeux vidéo ont un site officiel, tu vois. Ouais. Donc GTA 5, machin, enfin voilà, tous les sites quoi. Et du coup, il y a eu un truc en rapport avec GTA 6. Ok. Tout simplement. Et c'est quoi? Et c'est quoi? Mais moi je sais pas. Et bah dis. Je sais pas. Et donc là les gars, ce n'est pas le site de GTA 5 qui a été mis à jour, mais c'est tout simplement le site de GTA 6 qui a été mis à jour il y a 4 jours. Donc là, site sur GTA 6. Voilà, là où je vous parle, il est, on est le 27, voilà où je vous parle. Et du coup, il y a 4 jours, le 23 mars, le site de Rockstar GTA 6 a été mis à jour. Et donc là je vais vous afficher une photo juste ici, donc voilà je vais te montrer. Alors comme tu peux le voir sur cette photo, donc toi tu dois pas trop t'y connaître, mais bon, non, ça va, je m'y connais un petit peu parce que j'ai déjà fait du développement. Bon, j'étais en informatique, j'ai fait un développement. Je vois des domaines, registrables, les serveurs. Alors comme on peut le voir sur le screen, donc déjà le site il appartient à Take-Two, donc voilà, Rockstar quoi, tout simplement, Take-Two. Et on peut le voir ici, la date, tu vois. C'est écrit update on 2020 03 23, donc okay. Le 23 mars, donc tiens, donc, ouais. Voilà, tu connais l'américain, faut lire à l'envers quoi. Du coup le 23 03, le site a été mis à jour. Ok. Ok. Maintenant, mais regarde, j'ai une question. Est-ce que le 23 mars de il y a 5 ans quand GTA 5 est sorti, c'était pareil? C'est-à-dire, est-ce que le 23 mars ça fait combien de temps qu'est sorti GTA? Ça fait 5 ans, 6 ans? Ouais, c'était en 2013 quoi, ça va faire 7 ans maintenant. Ouais, ça fait 7 ans. Donc est-ce qu'il y a 7 ans, le 23 mars, il y a eu aussi un... Eh bah, c'est ce que je vais dire juste après. Ok. Et donc, quand on tape W, vous pouvez le faire aussi chez vous, hein, vous pouvez le faire sur votre téléphone, après la vidéo, tranquillement. Quand vous tapez www.gta6, alors GTA 6 c'est bien évidemment chiffre romain, V et le I, on tombe sur un site qui est hors ligne, alors qu'auparavant, c'était pas le cas. En fait, avant, quand tu tombais sur cette route dirigée vers Rockstar, okay, tu vois, ouais. Le site Rockstar officiel. Et comme tu m'as dit, donc juste avant, effectivement, oui. Pour GTA 5 et pour GTA 4, c'était le même cas. En fait, pareil. Le site, il était, en fait, avait accès directement, ça te redirigeait vers le site Rockstar. Oui. Et ensuite, enfin, vers une page que je vous affiche le screen ici, ça vous redirige ici. Alors, peut-être pour GTA 4 et GTA 5, je sais pas si c'était comme ça. Et du coup, maintenant, en fait, tout simplement, ça redirige vers un site qui est hors ligne.
tu vois. Alors que c'était pas le cas avant. All in, ouais. Depuis le 23, tu vois, c'est donc ça. Donc là, ils sont en... ils travaillent dessus, quoi. Alors, est-ce que tout simplement le site de GTA 6 est en préparation? Est-ce que moi, je sais pas, pourquoi pas, t'arrives sur le site, bam, t'as le logo de GTA 6, un trailer, on ne sait pas, on sait pas plus, parce que pour l'instant, encore une fois, il n'y a rien d'officiel concernant GTA 6, à part cette mise à jour, qui est pour ma part une grosse information, parce que c'est quand même une information assez... assez, ouais. On va dire c'est officiel, parce que tu vois, le site appartient à Take-Two, comme tu peux le voir, tu vois. Ok. Mais si on se penche... mais si on se penche bien sur le sujet, les petits connaisseurs, quand on regarde tout simplement le site, avant, le site il était redirigé vers un serveur en Allemagne, tu vois. Ok. Tout site a un serveur, tu vois. En Allemagne. Voilà, mais en Allemagne. Bah je sais pas, peut-être qu'il y a des serveurs là-bas, bon ça je peux pas te dire. Il était redirigé vers là-bas. Sauf que maintenant, depuis la mise à jour, il est redirigé vers New York. New York, ok. Et là, tu dis ok. New York. Là, vous dites ok, mais New York, ça veut dire quoi? Ouais, je sais pas. Et bah, GTA 4 et GTA 5, leurs serveurs sont à New York. Et donc là, ils ont redirigé. Ok. Donc ça veut dire qu'il y a du. Ouais, j'ai compris. Il y a du sel, quoi. Il y a du. J'ai tu vois GTA 6. Il y a de la matière. Bientôt, les gars. Il y a de la matière. Et honnêtement, moi, je pense que GTA 6 va pas tarder qu'on regarde tout ça en ce moment entre Dan Houser qui a quitté aussi Rockstar. Même si le fait qu'il ait quitté, tu vois, ça n'empêche pas qu'il repose encore dessus, tu vois. Même si, bon, voilà, en ce moment, c'est un peu compliqué. Il y a ce qui se passe en ce moment, le coronavirus et tout. Le confinement. Et, du coup, bah, il me semble que les employés de Rockstar travaillent en télétravail. Donc, c'est un peu compliqué. Ça va prendre un petit peu de retard, je pense. En tout cas, on verra bien. On verra bien s'il va y avoir quelque chose dans les mois qui arrivent. On ne sait pas. On ne peut pas savoir parce que pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. On sait juste tout simplement que le site de Rockstar a été mis à jour. Pour finir sur cette dernière news, sur ce dernier point, comme je vous ai dit, quand on tape www.gtavi.com, donc GTA 6, on tombe sur un site hors ligne. Ok. Maintenant, tu dis ok. Je vais taper GTA 7. Donc GTA, V et deux trucs quoi, deux traits. Ouais. GTA 7. Et bah, ça te redirige vers le site de Rockstar. Tu tapes GTA 8, pareil, ça te redirige vers le site de Rockstar. Sauf pour GTA 6. Sauf pour GTA 6. Tu vois. Donc là, on se dit. J'espère. Voilà, j'espère juste que s'il va y avoir une annonce, même si je pense que quand même. Ce virus qu'il y a, ça va quand même retarder quand même les choses, tu vois. Ah bah oui, ça c'est sûr. Parce que, du coup, ils peuvent plus travailler en entreprise, quoi. Donc ça va être un peu compliqué, on verra bien. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que le site a été mis à jour. Et on se retrouve du coup pour le deuxième point. Alors, deuxième point, il y a quelques semaines maintenant, on a eu des photos qui ont été postées par Rockstar, donc des photos, ma foi, assez travaillées, j'ai envie de dire. Tu sais, des photos tellement travaillées que du coup, les gens se sont dit, est-ce que c'est des easter eggs sur GTA 6, tu vois. Donc, il y a beaucoup de monde qui ont fait le rapprochement, qui se sont dit, oh, regardez, là, il y a ci, là, il y a ça, et ça. Et on va analyser tout ça. Donc, je vais vous afficher les deux images. Donc, on va commencer par la première, donc cette première image qui est juste ici. Alors, hop. Voilà, je te la montre. Donc, c'est cette petit logo un peu Rockstar. Bah, c'est Rockstar, ouais. Voilà, tu vois, t'as le logo Rockstar, t'as le rouge, t'as le blanc, c'est un peu les couleurs de l'Amérique, quoi. Et donc, quand on voit ça, les gens se sont dit, ouais, est-ce que c'est un rapport avec GTA 6? Voilà, t'as cette photo-là, ok, tu la vois. Ouais, je la vois. Ensuite, t'as cette photo-là, un robot. Ah oui. Un robot avec un verre de champagne et tout, avec une petite coupe de champagne. Avec un logo Rockstar qui tient comme ça dans les mains, c'est fermement, tu vois, genre, tu vois, je. Il protège Rockstar, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est à moi Rockstar, tu vois comment? Avec cette petite truc de champagne juste ici. Et du coup, on regarde ces photos, il y a beaucoup de gens qui se sont dit en fait, ouais, ça parle de GTA 6, tu vois. Mais moi, honnêtement, tu vois, je parle de cette news tout simplement pourquoi? Parce que pour ma part, je pense que ça parle pas de GTA 6, tu vois. C'est... Déjà là, avec le robot, c'est assez futuriste. Voilà, c'est futuriste et je pense pas que Rockstar, enfin, je pense pas que GTA 6 sera futuriste. Donc, parce que bon. Non, ça va être réel, je pense. Parce que déjà, juste le fait d'avoir mis des oppressors et tout sur GTA 5, les gens ils ont pété les plombs. Il y a beaucoup de gens qui ont. Ils ont dû même faire un patch sur l'oppressor. Maintenant, tu peux la commander toutes les 5 minutes et tout. Et je pense pas que ça va être un truc futuriste, tu vois. Mais moi, honnêtement, je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont dit, ouais, c'est en rapport avec GTA 6 et tout, mais pas du tout. Parce qu'en fait, regarde, tu vois, quand tu prends le robot, je vous remets la photo du robot, tu vois. Tu vois, ça fait un 6, tu vois. Comment il est avec sa jambe, tu vois. Ah si tu ouais. Dessines la ligne, tu pars au niveau de la tête, hop,
Et son genou, en fait, vous voyez, son petit genou, ça fait un 6, vous voyez ce que je veux dire? Ah, mais t'es forte, réellement. Coup, non, c'est pas moi qui ai non, mais là, si tu vois un truc comme ça, ouais. C'est pas moi. Genre, moi, là, je l'avais même pas vu, là. J'avais même pas capté. Qui ont fait le rapprochement, ils se sont dit, ouais, en fait, c'est un 6, tu vois. Voilà, après, moi, je pense pas. Moi, je pense juste. Peut-être, hein. Je sais pas, après, moi, je pense juste. Moi, c'est mon avis, tu vois. Après, tu peux donner ton avis aussi après. Moi, je pense juste que c'est juste une image comme ça. Puis voilà, une image stylée de. Des graphistes. Oui, mais après, avec la position, etc., regarde là sur le genou, ça part comme si ça peut. Hein. C'est vrai que ça part un 6 quand même. Hein. C'est vrai. Hein. Après, je sais pas ce que vous pensez de cette image dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette image. Bah, dis-moi un peu ce que tu penses du coup de cette image. Bah, moi, je te dis que je pense déjà que c'est un 6 et je pense qu'il y a vraiment un rapport avec GTA 6. Tu penses? Ouais, parce que regarde quand même, le genou, là, c'est comme si ça se rapproche avec le talon. Elle le tient fermement, le R de Rockstar. Je sais pas. Franchement, je peux pas dire. Moi, je sais pas. Moi, je vous ai dit comme quoi ça c'est pas en rapport avec GTA 6. Après, peut-être que non, là, ils pensent que c'est en rapport avec GTA 6. Moi, je sais pas. En tout cas, voilà un peu toutes les news qu'on a actuellement sur GTA 6. Alors, là, encore des petites news un peu par-ci par-là, mais c'est rien d'officiel, c'est rien d'intéressant, je voulais pas vous en parler. Je vais tout simplement vous parler des deux infos là, surtout que la première qui est une grosse information. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le site de GTA 6 a été mis à jour. Malheureusement encore, il n'y a rien dessus, on ne sait pas ce qu'il y a dessus, parce qu'on ne peut pas y accéder. Ah bah oui. Il est hors ligne, il n'est pas encore en ligne. Est-ce qu'il va être mis en ligne bientôt? Est-ce que sur ce site, on va voir l'apparition du logo donc, de GTA 6? Ce serait incroyable, t'as été sur le site, bam, t'as juste le logo, tu vois? Juste le logo, c'est tout. C'est tout ce qu'on veut. Au moins, ça veut dire qu'il va bientôt arriver. Au moins, voilà, tu vois. Et peut-être, ça nous donne un peu une espoir. Pas forcément, pas forcément, tu vois, genre une date, mais genre coming soon avec le logo GTA 6, tu vois. Waouh, là, ça serait magnifique. Mais bon, ça, faut. Je sais pas. Moi, je sais pas, tu vois. On espère, en tout cas. En tout cas, on verra dans les mois qui arrivent. On est au mois de mars actuellement, là où la mise à jour a eu lieu. On verra bien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez encore des vidéos sur GTA 6. Voilà, c'est une petite vidéo que je voulais faire. Ah ouais, c'est bon. Ça part en freestyle. Moi, je vous dis bye. Dis-leur au revoir. Allez, au revoir, bye les gars. Et vive le sopalin.